On se retrouve non pas seul, mais bien accompagné du très cher Brice qui se trouve juste ici. Comment vas-tu, Ouga, mon Brice? Est-ce que ça va, toi? Ça va, ma vie, ou pas? Ça va, écoute, excellemment bien. Et mince, j'ai encore appuyé sur le mauvais truc. Ok. Ça va excellemment bien. Et toi? Est-ce que t'es en quoi coup forme? Je suis en quoi coup forme. Parfait. Et d'ailleurs, on n'est pas avec Brice ce soir, mais on est avec Phil, c'est ça? Mec, tu déconnes, putain, c'est le Steph. Steph, pardon. Ok, je me suis trompé. C'est le Steph de la brigade de Noirmoutier. T'inquiète, je vais pas modifier le titre du live parce que je m'étais trompé. Hein. Je suis pas du tout en train de faire ça, t'inquiète. Mais non, le pâté Steph, c'est bon, tu as la peine de le faire. Non, c'était de base, c'est... T'inquiète, ça saoule. Ça saoule, comme ils disent. C'est mieux comme ça. C'est quoi qui est mieux? C'est ta vieille tronche là? Ta petite tronche de Kwaku Cake? Ça va, Mathéo, ou pas? Ça va. ça va, mais j'ai l'impression que t'as un peu le nez pris quand même. Ça s'est pas amélioré depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Oh, non, alors attends, juste. Ça là. Ça. Oh, il s'est pas mouché avec, hein, je peux vous le dire. Et là, ça, ce petit rouleau de PQ, hein, il est vide. Oh, hein, juste usé. Là, il est bien vide. Il est bien vide. Usé jusqu'à l'os. Oh mec, j'ai tellement en PLS, vraiment. Alors du coup, pour raconter, j'étais en PLS quand on s'est vu dimanche, mais vraiment le soir même, je ne répondais plus de rien. Genre, tu vois, toute l'après-midi quand on s'est vu, tu sais, ces trucs où j'avais la tête en mode comme ça, ah, oui, et oui, que oui, j'étais à deux doigts d'éternuer, et à chaque fois je pleurais. J'ai bien vu, oui, t'étais au bord du gouffre. Bah mec, je suis allé dans le gouffre pendant tout le live, pendant toute la soirée. Ah oui, t'as rencontré quelqu'un, c'est ça que tu dis? Non mais, c'est des choses qui arrivent. Du coup là, aujourd'hui, je me ressentais pas très bien, du coup je suis allé à la pharmacie, avec justement, comme on peut voir dans le jeu, une arme à la main. Je leur ai dit « Donnez-moi tous vos Doliprane !» Ah oui, okay. Les gens n'ont pas le jeu encore, mais on va jouer à quoi, Brice? Ah oui, on joue à Sea of Thieves. Ok. Je suis allé à la pharmacie en bateau. Et je lui ai fait, oh yes, moussaillon, donnez-moi des Doliprane. Et le capitaine a dit, mais qu'est-ce que c'est des Doliprane? Je ne sais pas. La poudre blanche? Du coup, j'ai... La poudre à canon? Non. Ah non, ça, vous arrivez quelques siècles trop tôt, ce sera plus tard, la poudre blanche. Ah oui, c'est vrai. Ah, je sais pas, tu crois qu'ils en avaient pas déjà à l'époque? Ah, ils avaient... Ils avaient le hashish, il me semble. Ah bah oui, mais c'était pas en Jamaïque. Hein? Ah, c'était pas dans les Caraïbes. Ouais, ouais. Ouais, moi bon, je sais pas. Discussion. En vrai, tu vois, c'est. Ils ne savent pas grand chose à la drogue, ni à la géographie, ni à la. ni à l'histoire. Ce qui s'est passé. Voilà. Nous sommes streamers, donc on peut pas. Petit point faible au bac, histoire géo, moi. Oh, il a petit point faible. Hein. Non, bah je pense que. Vas-y, dis un chiffre et commence de zéro, comme ça va plus vite. 4 Non, je dis commence de zéro. 0, 1, 2, 3, oui 4, 5. Bien. 3 Quoi? T'as eu 3? Non, quand même pas. Attends, t'as eu combien la bordette de cul? Regarde la cam. Attends, elle est où? Là. 2 Oh. Et ah putain, mais ils ont filé le bac à un enculé qui a eu 2 en histoire géo. Ah oui, non, mais j'en avais rien à foutre. Moi, j'avais eu 12. Oui, mais histoire géo, t'étais en quoi? En S. Ah oui, ça compte pour rien l'histoire géo en S, normalement. Ah oui, c'est la nuit. Ouais. Et maths et SVT, physique chimie, t'as eu quoi? T'as eu des bonnes notes? J'ai eu 6. Bah d'accord, il est en S, 8. Il a 6 en physique chimie, c'est étonne. Ah, et j'étais SP SVT, moi. Moi, j'aimais bien les sorties de la Terre. Parce que je m'étais dit, je vais faire ostéo après. Je vais manger des cailloux. Mais pas du tout. Mais pas du tout, on voyait tellement pas ça. Non, du coup, j'avais eu quand même... Ah oui, d'accord, j'ai installé une lumière et c'est un tout de suite. Super.
J'avais eu 14 en SVT. Ah oui, bien. C'était Et aspect, du j'avais coup, ça 8, devait être 8 en un. maths. Ah, moins Ouais, bien. ça m'avait banger. Et au rattrapage, j'y suis allé tout confiant en mode je vais prendre physique-chimie parce que j'ai eu 6, et je vais prendre maths parce que j'ai 8. Et je vais quand même Bah, moi, je réussir. crois que c'est Parce ce qu'il qu'en faut gros, faire. il me fallait juste 2 points. En gros, il me fallait juste que je passe je crois qu'il me manquait 14 points, et avec les calculs, ça passait parfaitement. Genre, si je le passais de 8 à 10 en maths, ça me faisait avoir le bac. Et elle m'a mis la note de 9. Ok. Et je peux le dire avec un calme absolu, cette Vas-y. connasse. Mec, elle m'a l'embrasse. dit, oh, Merci, attends, madame. mais anecdote. Non, mais anecdote. Elle m'a Ah, fun dit, attends, fact? mais pas fun. Pas Ah, fun. Je sais, fact? fact, hungry fact. Ok. Tu me connais bien, je suis pas d'un caractère très Tu... énervé. Oui, non, Moi, je tu peux n'es pas m'énerver un facilement, mais colérique. Hein. je Tu suis n'es pas un pas un colérique, je vais colérique. pas monter dans les tours. Et mec, je fais le truc de maths, je fais tous les exercices, et je vois que tous les exercices, c'était sur 10 arrondi après à 20. Et enfin, monté à 20 après. Et je fais tous les exercices, et le 1, 2, 3 se passe bien, le 4, j'accroche un peu, mais je vois dans le calcul de tout ça que ça j'allais avoir la moyenne facile, et du coup je me suis dit, vas-y, c'est pas très grave si j'arrive pas à le réussir le dernier exercice, je le fais un peu, je vous lui montre que je suis un peu en galère, parce que tu sais, c'est un échange avec la personne qui va, Ouais. tu lui montres un peu comment ça se passe. Et du coup, je lui montre, ben voilà, j'ai pas super bien réussi le dernier, mais par contre, sur tous les autres, ben, j'y suis allé à fond, parce que ben voilà, moi, et du coup, j'ai fait exprès de placer le, voilà, moi, il me faut 10, et du coup, je me suis mis à fond sur les autres, comme ça, je savais que je sécurisais le note 10. Il me dit, ok, très bien, ben écoute, on va voir ça. Premier exercice, ben, super, elle dit rien. Deuxième exercice, super. Troisième exercice, super, elle dit rien. Arrivé au quatrième exercice, elle me dit, ok, alors du coup, ben, je vais t'expliquer, tu sais quoi, il n'y a pas de souci. Et là, du coup, je lui montre ce que j'ai fait. Elle me dit, mais ça, c'était bien. Et du coup, il fallait faire ça, 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 ça. Elle fait, ah, ok, d'accord. Et du Ouais, coup, je leur plutôt dis, gentil sur le moment. je le fais avec elle. Là, pour l'instant, tout se passe bien. Et je lui fais, bah, écoutez, bonne journée et bonnes vacances d'été à vous. Et Oui, elle m'a dit, tu merci. vas avec les deux mains, quoi. Oh, bah, mec, j'y vais avec les deux mains, et j'étais le double, le poivrier médoquin, comme Ah. dirait notre Oh ami Triss, comme ça. la Oh. vache. Il y avait Ouais. la... Oui. C'était pas nécessaire de mimer, mais là, dans cette occasion, c'était tellement gros que même Oui, elle oh, m'a vu bah. mimer à ce moment-là, quoi. Ok, parfait. Et je pars, Suite au à ça. revoir, bonne journée, voilà. Et je sors, j'attends l'équivalent d'une demi-heure, trois quarts d'heure dehors avant qu'ils sortent les résultats. Et ils sortent les résultats, mon nom n'est affiché nulle part. Et du coup, c'est Ah impossible. mince. À ce moment-là, ma mère était avec moi, et elle me dit, mais non, mais tu m'as dit que ça avait bien réussi. Et surtout, ah oui, attends, j'arrive à la voiture de ma mère qui attendait. Je Oui. sors de l'examen. Je sors, je fais, maman, je l'ai, c'est bon. Oh là, les couilles un peu trop grosses peut-être. Oh non, mais mec, mais les boulis, je suis là, énorme, elle rentrait que dans mon Tu slibard. pas tu marches avec une brouette toi devant toi, Oh oui. Mec, j'étais comme ça, à la limite, genre j'étais un PNJ heureux, tu vois. non? Tu Et rebondissais dessus peut-être. Ah bon, mec, j'étais un. Merde, comment ça. Les oiseaux qui sont mal. Ah putain. Ah oui, ah je sais plus du Ah coup. putain, je. De quoi? Je sais plus du coup, je ne sais plus. Ouais, du coup, ouais. Mais bon, bref. Et du coup, là vient le moment où on voit les résultats. Il n'y a pas mon nom qui est dessus. Et là, genre, vraiment, moi, je me souviendrai toute ma vie du moment où je sors et j'attends après un peu pendant la demi-heure avec des amis qui étaient là avec moi. Et la prof de La bande de maths copains qui. du rattrapage. Ouais, exactement. La prof de maths qui sort à ce moment-là et qui me regarde avec un grand sourire. Allez, au revoir. Comme Oui, ça. elle s'enfuit. Toujours le allez, au revoir, grand sourire. Et là, elle arrive, du coup, je vois le résultat, et il n'y a pas mon nom. Et du coup, il y avait le Aïe, aïe, directeur de l'établissement qui s'occupait, du coup, évidemment, de ce moment-là. Et je lui dis, excuse-moi, c'est bizarre, il n'y a pas mon nom. Il fait, eh ben, écoutez, on est désolé de vous apprendre, mais vous n'avez pas votre bac. Et genre, je fais, non, mais Oh, c'est pas dur. possible, tout s'est super bien passé, il me fallait juste 10. Et là, genre, ma mère qui dit, non, mais Brice, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, genre, je fais, mais non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais attends, mais la prof de maths, elle me dit que c'est Et là, super le bien, mais Dark c'est vraiment une Brice. connasse. Oh oui, devant le directeur? Ah ouais, mec, je te Non. jure, en fait, ce qui m'a pété un câble, en fait, j'ai accepté assez rapidement le fait que. Enfin, non, j'ai pas accepté, mais d'un côté, il y a une partie en moi qui a accepté le fait que j'avais pas le bac, mais il y a une autre partie en moi qui était en mode, mais cette connasse, elle pouvait me dire très bien en mode, bah, je suis désolé, hein, Oui. ça va pas suffire. Juste faire preuve Non, elle d'honnêteté, est. quoi. Exactement.
Et là, genre vraiment, je fais, non, mais c'est qui vraiment cette connasse là qui me dit c'est super bien tout le long de l'exercice et qui finalement se barre et, avec des grands sourires et qui me met même pas le bac, putain. Et là, je dis, oui, il faudrait que vous signiez là ce petit papier pour dire que vous êtes d'accord. Là, je ne signe pas votre papier de merde, moi, je me casse. Là, je commence à partir un peu vénère et ma mère, genre, qui vient me voir dehors. Et là, du coup, ben, moi, quand vraiment je suis très énervé, soit j'ai cette réaction là qui m'est arrivée une fois dans ma vie, soit j'ai la réaction d'après où en mode je m'énerve, je me mets dans un coin et là, genre, je chiale à mon cou. Et je me branle. Et il va dans le coin devant l'école. Attends. Tu vas me donner mon bac. Genre vraiment comme ça, mec. Oui. Mais mec, non, heureusement, tu as une réaction un peu plus normale, peut-être. Je suis allé dehors, je suis allé me vénère un peu. Et ma mère, elle est venue me voir, elle me dit, bon, par contre, t'es vraiment obligé de signer le papier. Et je fais, bah, vas-y, ok. Et je suis arrivé. Et le proviseur, il m'a fait, je comprends totalement votre énervement. Et là, du coup, il était un peu de mon côté. Limite, il était là, on va essayer de discuter avec cette prof de maths pour que ça n'arrive plus. Et essayer de voir pour faire quelque chose. Et là, je fais, non, mais faire quelque chose, je signe ce papier, j'ai pas mon bac, c'est bon. Il met la pommade là, alors que de toute façon, c'est fini, quoi. Oui, en fait, il te met la pommade, dans tous les cas, il va te le mettre le doigt dans le cul, hein, donc. Ah, et ça s'est passé comme ça, toi, ton rattrapage? Mais c'est un peu ce que j'ai ressenti. Et je peux te dire que je l'ai encore bien en éventail, le con. Wow, Est-ce qu'ils t'ont mis le. Tu sais, l'espèce d'oiseau là qu'ils mettent dans les. Alors. Ouais, attends, vas-y, dépêche-toi. C'est pas le moment où il faut bugger mon bateau. Non, ouais. C'est par l'écarteur de. Tu l'as ou pas? Moi, j'appelle ça un oiseau, étant donné que ça ressemble à un bec d'oiseau. La part à l'avant. Non. Non? Ah bah non. Non, le... Ah, le plug. Bah, c'est pas un plug, mais tu sais, c'est pour notre très cher dame. Bien sûr, moi, je te le montre. Ouah. Ah, la vache. Bon, bref, fin d'anecdote, c'est que je me suis vénère, j'ai signé finalement le papier, j'ai refait une terminale. Je n'ai rien branlé toute l'année, et j'en suis sorti avec la mention assez bien. Ah oui, voilà. D'accord, on passe de rattrapage à rien branler et quand même la mention assez bien, c'est pas mal. Ah ouais, mais... Ça valait le coup au final, non? C'est un truc... Ouais, en vrai, non, oui. Enfin, oui, en vrai, si. Imagine, genre, t'avais pas été au rattrapage et ça s'était pas passé comme ça, ça aurait peut-être valu le coup quand même. Parce que quand, dans ta réalité à toi, tu passes à côté du rattrapage, c'est hyper frustrant sur toute cette manière où tu crois que c'est bon et en fait la meuf, elle te fait un grand sourire et elle te regarde comme ça, quoi. Mais si genre tu l'avais raté, genre t'étais en dessous de lui, tu pouvais pas aller au rattrapage, et que la deuxième fois que tu le passes, t'as mention assez bien, bah c'est mieux. Vaut mieux l'avoir bien. Mais ça veut dire que j'ai compris un truc, quoi. Ouais, voilà. Bon, ça on a vérifié, mais. en vrai, si, parce que, mec, vraiment, ça m'a fait mourir. Il y avait un contrôle de physique chimie où j'étais une énorme brêle. Et là, pendant toute l'année, j'avais des 18, des 20 et tout ça. Et à chaque fois, le prof, il arrivait en mode, oui, bon, t'es redoublant et t'as fait tous les annales du bac. Je fais, oui. Ok, yes. D'ailleurs, ouais, annales du bac, faudrait vraiment revoir le nom du truc parce que. Ouais, c'est vrai que. Surtout à cet âge-là, quoi. Surtout quand on est en plein à cet âge-là, annales, c'est parti. Le cul, Disons que quand tu étais en cours d'SVT et que tu voyais les personnages tout nus, page 64, c'était ta journée était flinguée, quoi. Toute la journée, c'était là, ah, regardez, il y a François à la page 64, la petite dite. Voilà. Et t'allais branler après, non? Comme toi, énervé. Les grands coups de poignard. Mais en vrai, je vais la faire très courte, parce qu'il y a une version longue un peu plus chiante, je pense. Parce que j'ai fait aussi le rattrapage. Et mais t'as allé au rattrapage, je savais même pas, mec. Bah, avec un 2 en histoire géo, mon pote, évidemment. Ah oui, c'est vrai, oui. Bah, oui. J'ai eu 20 partout, j'ai eu juste un 2. Non, bah, j'ai eu 2 en histoire géo. Et en vrai, et j'ai un peu de chou que les maths, que pourtant j'étais en train de grind de ouf. Je commençais à gonk la jungle en maths là. Ok. Non, en vrai, je prenais même des cours particuliers le mercredi après-midi, c'était horrible. J'allais chez une dame qui, merci pour ses compétences, hein, qui m'a fait progresser vraiment en mathématiques. Mais chez elle, ça puait. Juste devine, excuse-moi. Vas-y. Parce que tu parlais prof de maths, devine chez qui tu aurais pu aller pour prendre des petits cours de maths en privé comme ça. Oh la mère de Triss. Non.
Non, mais c'est une daronne. La tienne? Ouais. Ah. Voilà, je pensais à Triss, vu que tu nous en parlais, je me suis dit, oh, pourquoi pas elle? Et en même temps, ouais, bah, oh putain, oh, j'aurais été bien là. Oh, oh, je sais que ça sent bon là. Arrête, Non, mais c'est, je sais que ça sent bon chez toi. Ah, contrairement ouais. à là où j'étais. Les petits non, vraiment, c'était horrible. C'est, on les faisait petits des... plats dans les gros. il doit boiter, les gros. Oh là là, j'en ai marre. Et bon, je grindais, je commençais à retrouver. Je passais de 8 à 12 de moyenne quand même en maths. Ce qui était pas mal, hein. Bah ouais. Attends, t'as pas redoublé, t'as passé au rattrapage juste. J'ai réussi au rattrapage, moi. Et du coup, je fais le rattrapage dans la ville d'à côté. Arrivé là-bas, que se passe-t-il? Bah, je commence déjà deux matières et je fais donc celle où j'ai eu les moins bonnes notes. Mathématiques et histoire géo. Et je commence par mathématiques. Et mathématiques, en fait, j'étais bon. Enfin, vraiment, c'était que sur les exercices qu'on a vus où j'ai de chaud, que j'ai peut-être stressé ou quoi, je me rappelle plus. Et je passe avec le gars et tout. Ça se passe très très bien. Je réponds, je fais les exercices, je les fais au tableau, j'explique et tout. Et il me fait pareil, tu vois, il me demande ma situation, etc., ce que je veux faire après, quelle note j'ai eu et quelle note j'aurais besoin. En maths et quel cours j'ai fait, quel autre cours j'ai fait en plus des maths pour faire mon rattrapage. Il me dit ok, bon bah bon courage pour l'histoire géo. Puis je vais là-bas, puis j'attends, voilà, viens mon tour. Et là je passe avec la dame et bah j'ai eu deux. Et vraiment l'histoire géo, j'en avais rien à branler. Et j'y suis allé, puis j'étais. Résumez-le, j'ai eu deux. Oui, ouais. Dites-vous que vraiment, l'histoire, je suis nul à chier et ça ne m'intéresse pas. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, je pense que plus tard, ça m'intéressera certainement. Mais pour l'instant, vraiment, ça me. Genre aujourd'hui ou plus tard Non, alors, non, Brice. Il est déjà 20h18, c'est mort pour aujourd'hui. Vraiment. Toujours rien à foutre. Hein. Ah oui. Et là, il va être 20h19 dans moins de 10 secondes et je pense que ce sera pareil. Rien à foutre. Oh, ok. Bah, nickel, et je passe avec la dame, et c'est un genre de 1v1 question-réponse, tu vois, où on est face à face sur une table. Et bon, j'ai perdu le 1v1, je vous le dis. Et elle me fait bon, alors, première question, est-ce que tu peux me parler? Ouais, question en plus ouverte de ouf, alors que je suis nul à chier et je suis en épreuve de rattrapage. Question ouverte, vous pouvez parler de la zone du Sahara? Ouais, c'est du sable, enculé. Mais je te jure que c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Il n'y a rien. Il y a du sable. Voilà, super. Yes, le sable. Putain, j'étais... Elle me veut quoi, cette connasse? Ouais, c'est ah sable, ouais. Sable, hein. Et puis bon, au final, j'avais tout à gagner, mais en même temps, j'avais aucun moyen de gagner. Donc, j'y suis allé très franco. Je lui ai dit, madame, je suis désolé, mais je ne saurais pas vous parler de ceci. Puis elle me pose une autre question. Puis je réponds vite fait, tu vois, mais c'est pas structuré, il y a rien, quoi. Il y a aucun fond dans ce que je donne. Et elle me refait le petit topo aussi. Elle me dit bon, voilà, t'as eu quelle note, t'as besoin de quoi? Ok, bon, voilà. Bon, ça s'est pas hyper bien passé, hein, tu t'en rends compte, hein. J'ai répondu à aucune question, donc oui, évidemment. Attends, il te fallait combien? T'avais deux, il te fallait combien? Je sais plus, il fallait. Je vais dire les notes que j'ai eues et dont j'ai eu besoin, en fait. Et enfin, j'avais besoin de. Je sais plus, 10 et 10 en fait pour les deux ou un truc comme ça. Et okay. Ah, donc, ouais, 10 et 10 pour les deux. En mode, il te fait trop bien, je te donne ça. Non, elle a pas vraiment fait ça, mais elle voulait savoir. Ah. Et le prof de maths, ça s'est bien passé. Et en fait, je pense que les deux se sont parlé à la réunion, enfin à la réunion après pour délibérer quoi. Et clairement, maths, il m'a mis 14. Et je pense qu'en vrai, ça se valait. Enfin, je okay. pense que je méritais à peu près ça, même peut-être plus. Ouais. Et elle m'a mis 8. Alors, je méritais moins 4, vraiment. Un chiffre négatif. Elle m'a mis 8 et c'est ce qu'il fallait pour que ça passe. Et c'est passé, du coup. Donc là, vraiment, j'ai eu l'effet inverse où elle me dit « Bah, ça s'est pas bien passé, là. Hein. T'as rien répondu. » Et elle s'est accordée avec le prof de maths qui a dû plaider ma cause pour dire « Bah, il veut aller faire une école de... » Oui, sympa. « Une école de dev, bah allez, casse-toi. » C'est comme ça. Est-ce que t'es arrivé directement après à DC? Pas si tard après, ouais, je crois. Ouais, parce que du coup, j'ai eu les rattrapages, et ensuite, quoique... Ah non, je savais pas encore que j'allais à Digital. Non. C'est l'année qui suivait où t'es allé? Ah non,
J'allais faire Staps à la base. Ah oui. C'est ça. J'allais faire Staps. Non, parce que j'avais pas été sélectionné. C'était encore en tirage au sort. Mais voilà, ouais, j'avais dû dire que je voulais faire Staps. Bah, ça l'est plus maintenant. Il me semble que maintenant c'est sur dossier. Ouais. Un fun fact un peu aussi. J'ai pas été pris en Staps alors que j'avais de meilleures notes qu'un mec qui était dans ma classe qui avait des mauvaises notes, était goal au foot. Je juge pas, hein, mais ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Il était avec un bon embonpoint et très souvent absent à ses matchs de foot, étant donné qu'il était tout le temps blessé. Je juge pas, mais lui, il a été pris en Staps, c'est pas moi. J'ai l'impression que tu t'énerves un peu là. Non, je vais commencer, mais je m'énerve pas. Non, vraiment, c'est le tirage au sort, ça n'a aucun sens, quoi. Vraiment, ça, c'était une des premières grosses injustices que je me suis pris dans la gueule dans ma petite vie de merde. Bon, on a fait le tour des comment ça s'appelle ? Des nullos de l'école. Je raconte la première fois où. Finis ma phrase. La première fois où. Tu as mis ton doigt dans l'aspirateur ? Yes, et après mon frère qui s'est branlé dedans. Allez, ouais, donc jeu. Ce soir on joue à quoi ? Ce soir on joue, mesdames, messieurs, à Ready or Not. Est-ce que le jeu arrive ou pas ? Moi je suis dessus. Normalement il devrait s'afficher d'ici un instant. Je sais plus. Alors ça, c'était allô quoi ? Le jeu ? Ah putain, c'est vrai, ça fait longtemps, Mathéo. Ah voilà, il est là. Mathéo, est-ce que tu veux venir dans le jeu ? Et est-ce que je peux être le jeu ? Ouh. Voilà. C'est le sexe ou quoi là ? Allez, le sexe. Bon, moi je tire sur attends, des, j'ai pas ta tête. Je vais mettre ta petite tête aussi là. Là, tu veux... quoi, ouais, Yayo, qu'est-ce que t'as dit, Boris là ? J'ai dit que je veux tirer sur des méchants. Ah oui. Très bien. Souvent, les méchants, c'est. Les méchants, c'est pas gentil. C'est ceux qui ont les armes dans le jeu. Yes. Aïe. Je vais te mettre là-haut. Mais non, mais il y a ta cam là-haut. Il y a la cam de ton. Tu peux la mettre par-dessus, c'est pas grave, si. Ouais, bon, vous verrez pas exactement ce à quoi. De toute façon, c'est pas mon gameplay qui va être le meilleur. Ah bon ? Pourquoi ? Bah, pourquoi il dit ça ? Alors, le son du jeu, c'est good. Peut-être baisser un peu parce que c'est quand même très fort. Mon petit loubidou. On est type 1. De toute façon, moi j'attends depuis tout à l'heure. Je me suis équipé. Ouais, ouais. Et j'attends que tu choisisses une mission. Voilà. Parfait. Il faut que je me remette les mains dans les touches. Allô ? Alors, je choisis mon arme. ARWC. Oui, ça c'est bien. Gilet lourd. Des grenades. De toute façon, nous on n'est pas les policiers les plus. Tu vois, nous on est les policiers qui font des bavures. On n'est pas le reste. Oui, voilà. POV, tu es un flic aux États-Unis. Attends, pardon. POV. Voilà. POV, vas-y. Bah non, POV, tu es un flic aux États-Unis. Ah, d'accord. T'as vu qu'on avait eu deux nouvelles missions, je crois ? Il y a eu deux nouvelles missions ? Ah, bah attends, mais je ouais, suis sûr que en haut à droite, il y avait. Attends, si je quitte ça. Page up pour développer. Vous avez débloqué expédition polaire, nouvelle mission disponible, l'araignée. Parce que tu peux pas voir. Mais si, attends, à droite de mon écran. Ah okay. Oui, ok, je vois. Si j'ai vu ta console. L'araignée, c'est où ça ? Et expédition polaire, c'est où ? Ah, l'araignée est là. Ok. Ça a changé les Fujis. Ah, mon petit Felino, effectivement, je t'ai dit, c'était Felino. Pas les Fujis. Hein. Tu vois qui c'est ? Mais l'araignée, il me semble. On l'a fait. Hein. Vas-y. Alors, attends, on va voir. Période de la journée. Ah, oui, ça me parle, ça. Attends, dès que tu vas cliquer, je vais voir. Ça me parle carrément. Si, on l'a fait, tu vois. Par contre, le truc polaire, ça me dit rien. Ouais, mais par contre, expédition polaire, il y a pas. Il y a pas, wesh. Rechute, cache-cache. 25 mégaoctets par seconde. 23 mégaoctets par seconde. Merci, revenez vite. Ça, c'est déjà fait. 23 mégas, ça, on l'a déjà fait. Mec, t'as vu les affiches qu'il y a dans le commissariat ? Police officers are not above the law. Ah. Il y a certains qui n'ont pas lu ça. Id de Mars, c'est quoi ça, Id ? Ah, on l'a fait ça ? On l'a fait, ouais, celle-là. C'est celle où il y avait des gens chelous à l'intérieur et il y avait des mines un peu partout.
Piste sinueuse. Je crois qu'on les a quasiment toutes faites. Hein. On les a au moins toutes testées. Corruption en plante. On les a pas toutes finies par contre. Ah, ça, non, c'est sûr. Vallée des poupées. Oh. Éléphant. Celle-là était trop trop dure. Celle-là, il faut qu'on soit plusieurs dessus. Éléphant aussi, elle était dure, il me semble. Ah non, éléphant, non, c'est... je crois qu'on l'a réussi. Ah, mais c'est l'école. Non, l'école était plutôt simple, je trouvais. Les péchés du père. Ah, l'hôtel. Celui-là, il était très très dur. L'hôtel était dur. Il y avait aussi l'hôpital. Oui. Néon tombe. Ah, celui-là, il était carrément glauque. C'était bon, marché, c'était acheté deux la fois. La boîte de nuit. Ouais, exact. On pourrait se retenter la boîte de nuit d'ailleurs. Porteur de. Ah, moi je suis. Maintenant qu'on a des meilleurs skills. Bah, boîte de nuit, on l'avait réussi, je crois. Et l'hôpital, ouais, c'est rechute, ouais. C'est lequel t'allais dire? De quoi? T'allais dire un truc. Je suis chaud de. Et bah, tester d'autres qu'on n'a pas encore fait. Genre, bah, en vrai, celui-là, cache-cache, ça me dit rien du tout. Bon, vas-y, on, let's go. Hein. On teste, de toute façon, on verra si on n'y arrive pas. Par contre, tu dis. Comment dire? J'ai mis prêt. Tu dis maintenant qu'on a de meilleurs skills, mais bon, ça fait un moment qu'on n'a pas joué au jeu là. Moi, j'avoue que j'ai fait une partie il n'y a pas si longtemps. Je crois plutôt que. Enfin, alors, voilà, j'ai fait une partie un jour. D'accord. Entre le moment où on a arrêté d'y jouer et jusqu'à aujourd'hui. Je ne saurais pas te dire quand. Je ne saurais même pas te dire pourquoi j'y ai joué. Et j'ai vu que quand t'es pas avec, quand t'es avec les IA. Ah putain, on n'a pas essayé de mettre les mods. Ah! Après, ils ont dit aussi dans les corrections du jeu qu'ils avaient amélioré les IA. D'accord. Mais bon. T'es où? T'es là. Je suis là, Wiss. Tu me vois? Alors. T'es où? Là. Non, non, on va pas faire commencer au 6. Tu vas pas tirer. Ah non, bah non. Là, là ça touche. Là. Y a un ballon de foot. D'accord. Oh putain, il y a plein de ballons de foot. Est-ce que je n'en ramènerai pas pour le petit Thibaut? Pour le Mino? Ouais, parce que lui, il voulait un ballon de foot. Oh putain, en plus, il y a l'Euro 2002 là. Je le reconnais. En vrai, attends, ça ressemble vachement à celui de l'Euro 2002. C'est peut-être je ça. Je me garde la mission de ouf là, non? Non, 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 t'inquiète. T'es où toi? Et en vrai, j'ai avancé un peu. Ah, j'arrive. J'ai. Vu que j'ai réinstallé le jeu là, j'ai. What? Ouais, je vois pas. Ah mec, il nous faut les nocturnes, je crois. Mec, il faut tellement les nocturnes. C'est impossible sans les nocturnes, là. T'es où? Je suis derrière toi. Mort. Tu les as vus? Attends, c'est quoi déjà? Quoi déjà, ah. Cette touche, c'est F, non? Bah en fait j'ai changé moi ça justement. Pour pas me tromper entre mon interaction et le fait de dire de se coucher. Ah je vois un mec là-bas. Ok. Bon je le vois plus le mec. Fais gaffe il est, il est vraiment genre tout droit. Tout droit devant toi là-bas. Un peu okay. Sur la droite. Là. Ouais il est mort. Non il fait une sieste je crois. Le suspect est appréhendé. Oh la ref. Arrête au débile. C'est en map ça là. Oui, c'est, je suis en map. T'es où, là. T'es où toi? Non, je suis sur la gauche du mec que t'as descendu. Y'a un autre mec là. Ok, c'est un civil. Okay, sur la droite. Je vais te rejoindre. Y'a des trucs un peu partout là. Je m'occupe juste du mec que t'as tué et après je te rejoins direct. Ok, je vais m'occuper du civil ou? Ouais. Ah bah celui que t'as tué, je pense que c'était un civil. Y'a pas d'armes de toi? Si. C'est toi là? C'est toi ça? Là la lumière c'est moi là. Ok. T'es là? Y'a un civil devant moi là. Je vois pas moi. Ok bien, je te vois, je suis derrière toi. Ouah. La tête dans la flaque là, il se régale. RS ici. T'es où toi? Ah! Ah! T'as entendu? Mais c'est incroyable! Mais... Je peux pas lui dire de se baisser.
et en même temps le tenir en joue. Ah, je crois que t'as touché quelqu'un. Oui, c'est lui là qui est mort. En terre. Là, il y a une fente ici. Ouah, à gauche, à droite. C'est toi qui tire là ? À droite. Tu penses qu'il va voir la lumière ? Oui, oui. C'est ça qui les a détectés tout à l'heure. Hein. Waouh. Je m'occupe du gars que t'as tué. Ok. Ouais. On est tué un deuxième. Il y en a tout plein. Ils sont tous morts. Ok. Je regarde à gauche derrière toi. Fais gauche. Gaffe. Là, t'es vraiment découvert à gauche. Fais attention à toi. Ouais. Il y a un mec au bout. Oh. Oh, 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 oh. T'as vu ? Il est très loin. Oh. Mais il était allongé sur son arme. Bah il était allongé sur son arme. Oui, c'est un petit câlin. Où, fais gaffe au bout là où tu regardes, ouais. Là où il y a la lumière ? Bah il est plus là. Ah si, vu. On peut contourner, hein. Il y a un autre passage sur notre gauche. Non, attends, je peux l'avoir. Je l'ai eu. Bien joué. Merci. Bah avec plaisir. J'ai mis du rouge mais j'ai pas pris de dégâts. Ouah, t'as dit tout. Je sais, j'ai pas vu lui. Bah là ça a mis du rouge et j'ai pris des dégâts. Ah il m'a focus sur moi. Ah j'ai vu, il part sur la droite. Oh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai trop avancé trop vite. Ouais, c'est pas grave, c'est pas rien. Fais gaffe, il y en a un sur la droite et un en face de toi. Ouais, là tu l'as vu, celui sur la droite. Il est mort non? Ouais, je pense qu'il est mort là. J'ai eu une belle balle dans la tête là je crois. Ouais. J'ai kiffé. Allez, le... let's go. J'ai kiffé le. T'inquiète, je carry. Mort. Allez. M-O-R. Ah, moi j'écris bon. Plutôt M-A-U-R. Mort. Est-ce que. Là c'était la game de chauffe. Ouais. Hein, on testait l'équipement. Maintenant on sait ce qu'il faut faire et pas faire. Alors, on y va. On se laisse aller Splinter Cell celle-là. Clipper les gens, clipper. Donc pas de lumière. Mais d'ailleurs on aurait dû quitter et prendre les Night Vision. T'as les Night Vision toi? Bah. Ah bon? Merde, Appuie sur N. Ah ouais. Ça aide pas vraiment, y'a beaucoup de lumière en haut. Ah ouais? Ok. Vas-y, je les mets pour voir et je te dis. T'es derrière moi c'est ça? Je suis derrière toi. Je te sens les fesses. Ouais, et regarde l'eau qui coule contre le mur à gauche. C'est un peu excessif. Tu sais que le mur c'est pas un mur. Oh, y'a un mec tout de suite là. T'as vu que le mur c'est pas un mur, Brice? C'est un bateau? Oui. Oui, le mur du bateau. D'ailleurs, il bouge. Y'a un mec tout. Attends, y'a un mec. Donc là c'est bien, il nous a pas repéré. Donc ça veut dire que c'est cool, le jeu est pas mauvais. Ouais. Je lui, je lui dis de s'asseoir. Est-ce que quand tu dis get down, ton arme elle se baisse aussi ou pas? C'est bon. Fais gaffe un peu, comme il y avoir des ennemis. Je regarde un peu sur la droite. Sur la droite, j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Je couvre ta gauche direct. Il n'y a pas. Il n'y a pas, wesh. Je crois qu'il y a un autre mec après. Non, c'est bon. Ok. Oh, les Night Vision, c'est pas mauvais en fait. Ça les... Vu qu'ils ont les espèces de blues là, ça les fait ressortir encore plus. Ok. Mais un tout petit peu en okay, vrai. Il y a un autre civil tout droit devant. On voit juste son casque blanc. Je sais pas si tu le vois. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. On peut lui parler d'ici? Je pense pas. Si. Ouais, ça me paraît ici, un peu loin. Il a levé les mains tout à l'heure d'ici. Mais si ça se trouve, il y a d'autres mecs entre lui et nous, tu vois. Ça pourrait les alerter. Bah, je sais pas. Vas-y. Ce qu'il y a, c'est que quand on leur dit de lever les bras, on peut pas le dire calmement. Tout le temps. Lève les bras. Et lui, il a l'air d'être chill. Ouais, vas-y, je lui check dis. À droite. Ouais, il est gentil, lui. Check à gauche. Tout de suite. Oh, d'où putain. De l'autre côté. Vraiment dans la fente du mur, quoi, c'est horrible. Hein? Dans la fente à gauche. Attends. Là, je m'occupe du gars. Ok. Et là, mais exactement là où t'es. C'est, il a tiré à travers là. Ah là là. Mais, ouais, bah ouais, enfin non. Oh, mais... oh,
Allez, mais sont là. Mais je lui ai déjà tiré dessus une fois. Par contre, c'est... Il y en a un autre, il est armé. Il est pas armé l'autre. Il s'en battait les couilles. Il est pas... Mort. Je couvre l'autre à gauche. Déjà pour se rejeter. Pour ceux. Ok, mec, je suis en train de me soigner devant la tête du mec. Ça me tire dessus, je crois, sur la gauche. Ouais, c'est sur moi que c'est ça. Ouais, c'est bon, c'est à gauche. Pas d'arme. Ouh, alors lui, j'ai mis un flic. Ouais, mais lui, il veut pas. Hein. Le mec, il est bugué, le bot, ou quoi, là? Oh, désolé. Non, il est pas bugué, faut lui mettre plein de balles dans la tête. Ah, juste il fail. Ouais, en fait, c'est peut-être moi, parce que je lui ai remis une balle dans la tête à Je crois, mais regarde, il y a une arme à ses pieds. C'est bizarre. Vraiment? Non, oui, vraiment, je viens de la sécure. Ok. Mais non, c'est pas la technique de fourbe qu'on utilise à chaque fois. Il a pris son flingue, il l'a posé par terre. Il a pris son flingue, il l'a mis dans les mains. Ouah. Il y a un ennemi, je crois que je l'ai eu, mais je suis pas sûr du tout. Je m'occupe du cadavre là. J'envoie une greue. Oula. Pourquoi je... Ah oui, je suis de côté, c'est vrai. Attends, mais il y a des pieds là, on est d'accord? Ah non, putain, c'est... On aurait dit des pieds sous le camion. C'est les miens. C'est mes petits pieds. Mes petits petons. C'est juste... Ah oui, je l'ai eu le mec. Ah, fais gaffe à droite, il y a un cadavre. Ah, j'ai vu un mec passer dans moi là-bas. Ok. Il est loin ou pas? Pas tant en vrai, je pense qu'il est 10 mètres. What? Gauche. Mort. J'ai eu. Ah, bon, on l'a eu ensemble. Ah bah, ou alors j'ai peut-être pas lui dont. Par contre, c'était pas lui dont je parlais. Ah, ok. C'est le mec qui était là, ici sur la gauche. Je m'occupe de lui. Ah, mais il est en couverture, il est en vêtements huileux là. Je sais pas comment on dit là. Vêtements un peu de sexe là. Tout soit bien? Ouais, impeccable. Tu me dis si t'as besoin de cacahuètes, un truc comme ça. Oh mec, j'adore ce jeu. Ça me fait plaisir de revenir dessus. Ouais, moi aussi. Ça faisait longtemps en vrai. Ouais, bah ouais, en vrai, clairement. Mais c'est cool du coup s'il y a eu effectivement les modes dont tu m'as parlé. Je crois que tu m'en as parlé en live de ça ou pas live? Non, je crois que on était pas en live. Ouais, en gros, tu expliques ce que c'est? Ouais, en gros, que ça, là. Quand on est... Je me suis emporté, pardon. Ouais, j'ai l'impression que t'es un peu emporté. J'ai une porte là à ouvrir, mais je vais t'attendre. Est-ce que tu veux pas continuer de jouer? Allez, yes, aïe. Je te rejoins. Et donc en gros non, j'ai vu que dans le menu principal avant il y avait pas marqué qu'il y avait des modes ou quoi. Et là il y avait marqué dans le menu un espace mode et je me dis que ça peut être cool. Et le premier mode que j'ai vu c'était IA upgrade, un truc comme ça. Je sais plus exactement ce que c'était, mais en gros ça parlait de l'IA quoi. Lia. Okay. C'est un beau prénom ça, Lia. Qu'est-ce que t'en penses? Je préfère avec un M. Mia. Khalifa, ouais. Oui, d'accord, ok, il a vraiment un name drop. Voilà. Oh, il y a du monde un peu partout. Ouah, à travers les fenêtres. Viens avec moi, viens. Ouais, je suis mort. J'étais vraiment face à un gars. Et j'ai envie ouvrir la porte, je vais voir la cul. C'est dur là. Waouh. Ah ouais? Ah ouais, là j'ai pris cher. J'arrive à travers les fenêtres juste là. Mon Kokoubé. Ouais, je suis derrière toi. Je te couvre les fesses. Et un mec face à moi et il réagit quand je lui ai dit d'être gentil avec moi. Oh, bien joué. En fait, j'ai eu à la première balle. J'ai gaspillé un peu les autres. De toute façon, ils veulent y rendre à l'autopsie. Oh non, je suis mort. Je crois que je l'ai eu finalement avec mes dernières balles, mais je suis mort. Ok. T'es pas très bien toi non plus. Bah non, je pense que... Mais il passe où? Ah bah je l'ai pas vu. Il passe où?
Ça me fume quand... Allez, mon coup j'arrive pas... Celle-là, elle est pour toi. Oh, je suis pas sûr. Hein. J'ai pris de nombreux, nombreux dégâts. Le fait de se pencher comme ça, je sais pas si tu l'as, toi. Ouais, mais je l'essaye là, en dessous. Je l'ai mis en toggle, c'est-à-dire genre, une fois que t'appuies, ça maintient tout seul. C'est toi, toggle. Oh, pétard. Oh, il faut combien? Grenade! Attention, les enfants! Dis-le avec un accent européen de l'époque. Grenade. Grenade? Oh non, la voiture, toute neuve. En vrai, on fera le montage pareil que la dernière fois, non? Ça veut dire quoi? Tu feras le montage. Non, c'est quoi, de couper chaque mission. Ah, comme ça fait des plus petites vidéos. Bah, je faisais des vidéos de une ou deux heures. Une heure, je crois. Ouais. Et je mettais sur les time codes les missions. Ah, mais alors là, j'ai vu. Il y en avait une avec qui a notamment bien marché. Parce qu'elle fait 27 minutes. Et. Oui, je vois, ouais. Je sais la question. En fait, c'est une qu'on a fait, on n'a pas été très très bon dessus, je crois. Et du coup, on a fini très tôt et en gros, je pensais que t'avais fait une vidéo par mission. Mais c'est où? Waouh. Ah, j'ai plus de balles. Waouh, mais mec, t'es invincible. Mais t'es invincible. Mec, attends, mais t'es invincible, c'est pas possible. Je suis. Qu'est-ce, t'abuses? Ah non mais mec, t'es invincible, c'est pas possible. Oh, tu vois là? Ah non, tu vois peut-être pas toi. Bah, ça peut galère. Ah mec. T'as repris des coups là ou quoi? Oui, oui. Ça va, il arrête de gueuler. Ah ouais. Mais lui, une dernière balle. Attends. J'essaie de pas tirer sur le putain de civil! Bah ouais, tire le dessus, c'est bon. Tue-le s'il te plaît à côté. Ouais, attends. Prends le pistolet et tu peux. Il a fermé sa gueule. Et le civil qui s'est barré? Ouais, c'est maintenant tout se barrer, tiens. Après, j'avoue, moi je suis au milieu d'une fusillade, soit je me mets à terre, soit vraiment je pars quoi. D'autant plus que t'as entendu des grenades et tout, donc flemme quoi. Non, mais le civil il est resté debout, devant, tu l'as vu, il était là. Ah. Il était comme ça. Je suis un civil. Et le méchant, il faisait droite-gauche autour de lui. Et ce n'est pas appréciable venant d'un civil. J'avoue. Attends, quoi? Ramener l'ordre. Localiser quoi? Ah, ok. J'ai pas eu le droit d'ouvrir. Localiser le conteneur à armes. D'accord. Je t'ai pas entendu, mon Brisson. Ah, t'as parlé, non? Il faut que tu tapes tous les conteneurs là. Pourquoi t'as mis des sticks verts par terre là? C'est pas moi, wesh. La zone elle est sécure. Bah oui, bah on avait compris avec le premier mec. Je crois qu'il y avait encore un mec là. Ah, on est pas allé à l'intérieur. Mais elle était bien cette mission, je trouve. Hein. en vrai, premier degré, celle-là elle va être. Elle est sympathique. Un coup de dent là, allez. Ok, y'a personne. Ah bah voilà, un environnement qui me plaît. Ah. En vrai mec, c'est angoissant moi, avec les murs comme ça. Bah ça me fait penser à mes paraboles. The Office. Ah oui, ah alors, oui, non, oui, bien joué. Ouais. Bah, dis-moi Sophie, est-ce que t'as le dossier? Tire-lui dessus! Non, Brice, non. Oh voilà, mais voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Il est fou lui! C'est zinzin. Par contre, tu t'es bien vidé sur lui. Allô? Tu l'avais préparé celle-là, Brice? Pas du tout. Mais il nous balance tous ces sons de soundboard là. Attends, maintenant que j'ai les 5 mis côte à côte sur le stream deck. Attends. Attention, je peux les faire tous d'un coup. Ah non, pardon. Ah oui, mais oui, c'est vrai que tu joues toi, merde. Alors. Mec, insupportable. Attends, fais pas de bruit. Wahiti! Oui! Oh, j'ai suivi dans la vraie vie! Ah ouais? Ouais. Attends, je.
Ah oui, j'ai vu. Ça m'arrive en ce moment, c'est parce que je regarde trop Samuel Etienne jouer à Valorant. Mec, je vais jusqu'au bout de la map là. Est-ce que t'es toujours en sevrage LOL? Ah oui, 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 je n'ai pas réinstallé. Depuis combien de jours? On parle en mois là, je crois. Ok. Depuis peut-être un mois au moins. Mais comment ça? Mais attends, 5, là tu peux pas me dire que minutes. Le mode il est pas mis parce que. Enfin, tu peux pas me dire que le mode il est mis. Je suis en haut de la tour, ça me tire depuis je ne sais où là-bas là. Oh là 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 là. Get les messages, get donc les messages. Oh, ça c'est Messenger ça. Miguel Santana. Hey, you seriously, we're gonna talk there some. Ouais, oh là là là. Y a pas un petit truc de cul là Y a pas un historique le Miguel? Y a pas un historique là? Ouais. Après la mec, t'es super bien, tu tires où tu veux là. Mais le snipeuse. Au final. Dommage qu'il y ait pas de sniper dans le jeu. Ah bah c'est. Ouais, ouais le... ce serait Hitman du coup le jeu. Mais regarde! Oui. Ça peut me faire croire que ça me tire dessus là. Le mec, tu le vois? Bah je vois d'où il tire. Oh oh oh, je lui ai mis une tête, je crois. Non mais mec, en vrai voilà, c'est là le. Les limites du jeu que j'avais oublié et du c'est du coup, ça, moi, je t'ai proposé d'y jouer. Mais avec les modes avant la pro... En vrai, explique. Est-ce que t'as expliqué ce que le mode proposait? Mais que. Ah oui, pardon. En gros, j'ai vu dans le mode quelques lignes hein, brièvement. Donc en gros, ça améliore les IA en règle générale. Overall, voilà, c'était ça le mot. Donc ça améliore l'IA en règle générale. Que ce soit des IA de tes amis quand tu joues avec d'autres dans le squad. Ouais, enfin tes alliés et quoi. Les IA en... Ouais, les alliés plutôt. On va parler en mode guerrier, t'as raison. Et non mais enfin je veux IA dire après, c'est les IA qui sont dans ton équipe quand tu joues en solo, c'est ça? Oui oui c'est ça. Ok. Donc en gros c'est ça et après ça améliore ceux des suspects aussi. Notamment il y avait un truc et c'est la grosse critique qu'on avait avec Mathéo sur le jeu. Il y a dans le mode, il y a l'amélioration des IA, notamment avec leur vue périphérique et leur... je sais plus ce qu'il y avait marqué exactement mais le fait en fait qu'ils se retournent d'un coup et qu'ils font un 180 voire même un 360 et ils te tirent dessus directement. Ouais. Ils leur mettent aussi une marge d'erreur, des trucs comme ça. Et j'ai regardé dans les patchs que le jeu avait fait, dans les dernières upgrades, ils disaient aussi travailler à fond sur les IA pour, en gros pour qu'elles soient moins, qu'elles soient plus réalistes quoi. Ce n'est pas le cas. Ils travaillent à faire ça. Vu ce qui se passe quoi. Ah ils travaillent à faire ça. Ah, d'accord. Ouais. Ils sont en train de travailler, donc je pense dans les derniers patchs il doit y avoir des améliorations. En vrai, moi je vois quelques améliorations, hein, parce que quand j'étais derrière le mec qui bougeait pas parce que j'étais accroupi, c'était assez logique. À l'époque, on pouvait pas trop faire ça, quoi. Réexplique-moi la situation. Quand le mec il est accroupi, bah, c'est ça? Tout à l'heure, moi j'étais accroupi, et j'étais derrière un mec, et j'avais beau avancer, il me captait pas, quoi. Ah oui, ok, oui. Alors que dans les anciennes versions. Tu t'arrivais dans une salle, même si t'étais accroupi ou quoi, tu te faisais défoncer. Hein. C'est quoi ça? Ah, ok. Papier. Des classeurs, Mathéo. Oui. Oui, en fait, papier, c'est... alors, comment expliquer? Tu vois les arbres dehors? Ah, ah. Tu vois les arbres? Arbres. Arbres. Oui, c'est sûr. Les arbres? Mais quoi, arbres? C'est avec ça qu'on fait du papier. Mais c'est super dur, l'arbre. Waouh! Wow. J'ai fait un foot avec. Je me tire! Ça devrait être bon là non? Ce serait. J'ai pas l'impression encore. Ramener l'ordre, toujours pas. Localiser le container d'armes non plus. Ah putain, t'avais ça à faire, oui. Bah, j'arrive t'aider. Je prends le prochain. Vas-y, prochain vas-y. tu prends le. Comment ça s'appelle? Le TP? La vue. Ouais, je prends le TP, voilà. Donne-moi tes coordonnées. De toute façon, tu. Minecraft. Tu es en moins 64. Tu sais Allez. Ce qui va se passer, hein, je vais prendre une balle au hasard de n'importe où. Ah. Alors, on retourne en arrière, là. Ouais, mais je cherche le conteneur à armes. Ça doit être ça, là. Ouais, je pourrais pas te dire. Hein. Comment ça, tu connais pas le conteneur d'armes? Lui là-bas il a pris cher de loin. Ça va être par là non? Bah je crois hein, quand même. C'est ça, tuer tout le monde et même pas demander là?
Excusez-moi, juste, j'ai tué tous vos amis. Hein. Et on m'a dit qu'il y avait des armes. Bon, il est pas où c'est par hasard. Bah allez, allez. Ah, j'ai plus d'autres armes, j'ai pas d'autres armes. Quoi, t'as pas de pistolet? Vas-y. Si, si, si. Oh mec, par contre, c'est cheaté parce que là, vraiment, je suis censé mourir depuis un moment. Hein. Ah ouais, mais attends, mais là y a vraiment des améliorations qui ont été faites dans le jeu, mais sauf que maintenant t'es un dieu. Ouais, mais... Ah, y'a un mec à droite. T'as des missions? Ouais. Ouais, j'ai des missions, ouais. Est-ce que... J'ai plus que deux chargeurs, et ils sont les deux à moitié vides. Et là, je vois vraiment le chargeur à moitié vide. À moitié plein? Attends, j'ai trouvé... Elle est où l'arme? Ah, il y avait l'arme là. Ah, tiens. Et il est bien sinon, Sun, tu t'amuses? Ben, ça va. Mais... Est-ce que j'ai tué tout le monde là? Toujours pas. Comme ça au moins. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. On visite. Ouais, c'est sympa, l'endroit. Faudrait qu'il fasse... En vrai, faudrait que le jeu soit... Non, tu rigoles quoi. Faudrait que le jeu soit un peu plus comme Hitman. Je pense que ça pourrait être bien. Ah, c'était genre avec des décors un peu plus exotiques, tu vois. Ah oui. Là, en vrai, tu dois avoir 5 missions où t'es dans des trucs avec des tonneaux. Enfin, des tonneaux, rien à voir. J'ai pas compris, des tonneaux. Ouais, attends, je retote là. Avec, en gros, t'as plein de missions qui sont dans des endroits très. Fermés. Très industriels, tu vois, avec des usines, avec des grandes caisses, avec. Des conteneurs comme ça, tu vois, en fait j'ai l'impression que c'est... Il y a beaucoup de missions dans ce style là. Coucou. Lui il était en mode, alors j'ai tout entendu, je suis vraiment de votre côté monsieur. Hein. Il est un peu perdu lui. Alors oui, l'arme que j'ai dans la poche, ah ça n'a rien à voir. Mais tu l'as arrêté, ok, là on a tourné au final. Est-ce que ça donne quoi là? Putain, toujours pas fini les missions, mais c'est trop grand là. Oh. Bon, je trouve le conteneur. Il parle vraiment d'un conteneur, donc je sais pas. Tu sais, je me dis, ça peut être ces trucs là, mais. Salut. Quelqu'un? Bah, en vrai. Non. En vrai, c'est chiant, tu vas tout te taper là. Pardon, non, mais les conteneurs, c'est pas. T'as préparé ça en plus là? Non, je l'ai pas préparé. Menteur. Me dis pas que c'est pas vrai. Oh, une arme. Ouais, c'est vrai. En tout cas, là-dedans, là, je vois rien. Je vois pas grand-chose. Je sais pas si en vision spectateur, ouais, tu vois. Va sur mon cadavre et va voir. Va prendre mes lunettes. Oh non, arrête. Je vais pas te les piquer. T'en as besoin, toi, dans l'au-delà. Oui. Ouais, il fait nul là-haut. Il fait nul là-haut. C'est... Bon, je m'ennuie là. Hein. Je t'avoue que je m'ennuie autant que toi. Où est le conteneur? Quelqu'un? Ok, y'a rien. Allô? T'as mis? Allô? Ben, pas trop. En vrai, t'as tué tout le monde ou pas? Ben, même pas. Même pas? Même pas, je regarde... Ah! C'était quoi devant? Ah, c'est une poubelle. Mec, j'ai vu la poubelle, enfin, le truc bouger là. J'ai vu que c'était un ennemi. On est déjà passé par là? C'est toi qui est passé par là, je pense. Non, je peux jamais aller là, moi. Ah. Regarde, ça me tire dessus à droite, là. Ok. Ah! Non, toujours pas. Toujours pas. Ouais, c'est sympathique ce jeu. Ah, mais j'avais une question! Ouais. J'ai oublié de te poser. Ah, c'était oui, comment alors? Ah bah, c'était long, ça fait mal aux fesses, mais au final c'est cool. Non, la vidéo que j'ai fait avec Martin. Non, je m'en fous du film, c'est bon. Ah oui, d'accord. Non, en vrai, t'as bien aimé? Bah, explique de quoi tu parles là. Ah! De Dune. Ah, mais non! Attends, mais mec, si c'est ça? Oh, vraiment? What? C'est ça le conteneur ou pas? Allez! Ah oui, localiser le conteneur. Ok, c'est bon. Ramenez l'ordre, faut tuer tout le monde. Allez, faut que tu tues tout le monde, c'est bon.
Bah normalement, ouais, j'ai l'impression, mais... Ah, attends, t'as un autre conteneur putain, avec un... Peur. En gros, ouais, Matteo est allé voir Dune... est allé voir Dune 2 au cinéma, et je voulais avoir son avis, tout simplement. Enfin, je... Voilà. Et après aussi, parce que j'ai fait une petite vidéo bien sympathique. Eh bien, j'ai apprécié le film. Ouais. Qui est plutôt long, mais vraiment bien. En vrai, si je vais résumer en une phrase... Comme le sexe avec moi. Quoi ? C'est beau, ça c'est long, mais qu'est-ce que c'est bien ? D'accord. Oh. Ouais. Oh, ça c'est toi, ça. Le petit stick. Non, j'ai... moi, je... c'est que toi, ça. Bah, Ah, tu crois que j'aurais fait ça ? Ah. Ah bah mec, je sais pas. Ah oui, parce que j'en ai plus ça. Aucun, et je pense que j'ai deux touches qui sont bind sur la... sur même c'est truc. Sûr de ça. J'ai tellement le flic arrivé à... C'est sécurisé ici. Ouais, mais t'as lâché trois d'un coup. Ouais, mais voilà. Mais c'est pour ça que mon perso, il... Attends, il faut absolument que je change mes touches. Mais non, mais pas maintenant, fais-le après la mission. Ouais, t'as raison. Le milieu de la mission, tu sais. Comment je voulais résumer déjà Dune c'est... Ah ouais, voilà. C'est exactement ce que Dune 1 m'a promis. Voilà. Ah oui, ok. Ah oui, voilà. Oui, mais... En fait, dans Dune 1, je trouve qu'il y a beaucoup de promesses. De... voilà, c'est mise en place. Ça va être beau, ça va être... va y avoir de l'action et va y avoir du dénouement. Et bah, c'est ce qu'on a eu. Je me suis fait chier avec 43 minutes de vidéo pour que finalement, toi, tu résumes super bien. Bon. Oui, bon. Je veux dire, le... Bah après, en vrai, c'est cool parce que dans ta vidéo, tu parles des trucs comme... le fait... Enfin, la colorimétrie, à un moment, je sais, tu dis que c'est plus orangé, puis on passe... on repasse au à quelque début, chose ouais. Un peu plus... habituel. Ouais. Enfin, mais d'ailleurs, on y a réfléchi avec... on y a réfléchi avec Martin parce que du coup, dans le 1, on est tout le temps dans une ambiance très froide, pourtant dans le désert. Très froide en termes de colorimétrie, je parle. Ouais. Et là, dans le 2, on commence et c'est très rougeâtre. Et en fait, je me suis dit, un parti pris différent, on change de film, c'est cool. Et en fait, non, c'est pas ça, c'est juste que la scène dans le début du 2, qui est du coup très rougeâtre et tout, c'est parce qu'en fait, ils sont lors d'une éclipse. Et lors d'un coucher de soleil. Enfin, pas d'un coucher de soleil, d'une éclipse. Et du coup, en fait, t'as t'as le soleil qui passe derrière une planète, et donc ça crée ces effets très rouges comme un sunset, quoi. Attends. Je suis désolé, j'ai entendu quelqu'un. Et ah s'il oui. Met une balle et que c'est le dernier. Il est là, tu penses ? Je sais pas. Ah. Ça a tiré là. Ça me tire dessus. Mais what ? Gauche, ça me tire dessus à travers les murs ? Ah, on est d'accord qu'il est vers la gauche là. Ouais. Oh, abusé. Ok. Tu l'as eu ? Ouais, j'en ai eu un. Ah, il y en avait deux ? Bah, je sais pas. Pas le même qui a fait le tour ? Peut-être. Ramenez l'ordre. Putain, il en reste. J'en peux plus. Oh, faut changer d'arme. De munitions ? Oui. Bah après, faudrait changer d'arme parce que c'est mon dernier chargeur là, et il est à moitié vide. Bah c'est ça, tire à tout va. Ah mais c'est toi ça. Oh. Oh le cadavre. Et tu disais la colo dans... En fait c'est parce qu'il y a une éclipse. Mais ouais, du coup en fait c'était dû à l'éclipse, et donc en fait c'est logique, et après derrière on revient sur un truc normal parce qu'on est plus dans une scène où il y a l'éclipse. Ouais, mais en vrai ouais, logique, votre vidéo elle est super cool. Et du coup, enfin j'ai aujourd'hui avec tout ce que j'ai vu en termes d'interview, tout ça... Oh y'a un gars. Ouais. En termes d'interview, etc., j'ai encore plus de choses à raconter, mais bon, je vais pas refaire une vidéo spéciale. Bah, normal, mais c'était une vidéo aussi que vous avez fait. Bah, ouais. Après, le seul truc que je pourrais dire sur la vidéo, c'est vraiment le son. Faut éviter de regarder la vidéo sur une enceinte cassée, quoi, parce que je trouve que ça rend moins bien, quoi. C'est juste très personnel. Hein. J'ai la ref. Ah ouais, je pense que c'est ça. Ah ouais. Ouais. Après, non mais en vrai, par contre, ce que tu m'avais dit par rapport au son, c'est vrai que de l'avoir réécouté avec un casque, casque qui est vraiment fait pour la musique, on va dire, oui. C'est vrai que j'ai mes réglages de on va dire, je crois que ça s'appelle le réglage sur DaVinci, c'est isoler la voix, un truc comme ça. Et en fait, notre réglage qu'on a boosté un peu. Ah ouais, stylé.
le réglage qu'on a boosté un peu plus, enfin du moins moi le réglage que j'ai fait, ça fait que la voix elle ressort plus, mais surtout qu'il y a que les basses. Waouh, c'est creepy. What the fuck? Et ouais, il y a que les basses fréquences qui restent, et du coup en fait, moi déjà vu que j'ai une voix grave, ça fait vachement comme ça tout le temps. Mais... Mec, mais attends, mais what? Attends, il y a quelqu'un? What the fuck? Mec, je suis choqué. What? Mato, il parle plus. Il est, mais mec, je suis stun. Waouh! Ah, y a une autre, voilà. Là au four, j'avais même pas vu une autre au four. Quoi? Où ça? Là, devant? Attends, y'a quelqu'un qui a parlé à gauche, non? Oui, et il disait police. J'ai réussi. Fin de mission? Mec, on a one shot la mission. Mais mec, t'as géré de ouf. Enfin, moi j'étais pas là longtemps. Hein. Wouah, la scène de zinzin. Mec, GG. Wouah, la vache avec les ordi, t'as vu? Ouais. Mais tout à l'heure, je sais pas si t'as vu, mais sur cet ordi là, il y avait un mec qui était genre. En fait, on voyait la webcam d'un mec qui était en mode. Mais en fait, c'est une salle de vente de d'armes. Ouais, mais mec, c'est hyper creepy. Creepy de ouf. Mais j'aime bien ce genre d'ambiance. Wouah. Oh, allez, tiens, prends ça, toi. Wouah. Ça reste un humain. Hein. Notre humaine. Ou alors, ça se trouve, ils vendent pas des armes ici, par contre. Non, avec délire chelou, là, y'a pas que des armes qui vendent. Hein. Ouais. Mais t'as fini, là, la mission, non? Bah, je sais pas, je vais au bout de... Je vais au bout, quand même, pour découvrir. Ah oui, y'avait une autre entrée, là. Tellement flippant, putain. Ah bah, mec, tu parlais de map où y'a pas juste des conteneurs, mais au final... Ah ouais, elle est stylée, celle-là. Hein. Attends, mais tu l'avais vu, cette entrée? Parce qu'on est passé à côté là. Non mais mec, je trouve que cette map elle est incroyable parce que justement le fait que ce soit pas caché à 100%. Le fait de tomber là-dessus à la toute fin, c'est génial en plus. Ouais. Oh attends, j'ai envie d'y retourner. Peut-être qu'on l'a justement, on l'a tellement loupé le truc que du coup on est obligé de le faire à la fin en fouillant. Mec, c'était. Mais t'as pas le. T'as le Y là pour passer à autre chose, non? Ouais, juste je profite parce que c'est. Ah, mais vas-y, t'as raison. Mais t'as vu, c'est une cage à humains, ça. Hein. Ah ouais? Oh la vache, mec, c'est ignoble. J'aime bien ce genre d'ambiance en vrai. Faudrait que je me fasse des jeux d'horreur un peu plus. Ah, ok. Faudrait que je me fasse un petit endroit cosy comme ça pour ramener des fiches. Waouh! Ah ouais, petite lumière, ambiance un peu théâtre. Là. Attends, mais. Ah, t'as vu, il y avait une nouvelle. Une nouvelle tâche qui s'est affichée à la toute fin. C'était quoi? Je sais pas, enfin j'ai pas réussi à lire. Ah, t'as pas réussi à lire? Il y en avait au moins. Il y avait une quatrième. Oh le banger que c'est cette map! Mec, cette map, incroyable. On était là en mode, bon, je sais pas trop. Ah! Bref! What the fuck? Attends, on a tué des civils quand même. Civilian killed 1. Ah non. Notre Razai use deadly force. Ouais, bon. Ah oui, sur le mec que t'as tiré dans le dos. Ouais, peut-être. Retournons sur ça. Oh mec, elle était trop bien, cette map. Banger.